J'ai presque envie de pleurer. Non, sérieusement, quand tu on a une musique comme ça, bah, je sais pas vous, mais ça me donne presque envie de pleurer. Mais pour être franc, je pourrais rester des heures devant cette musique, tellement elle est douce, elle est géniale, elle détend. Bref, salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va tester une alpha que j'attendais avec impatience, ainsi que Cuba et une amie proche de nous, que vous verrez sur cette chaîne plus tard, enfin bref, qu'on attendait beaucoup avec impatience, parce qu'on avait testé ce jeu vite fait, juste peut-être quoi, un niveau quoi, à tout casser, un niveau. À la Japan Expo, il s'agit de Pankapu. De toute façon, vous voyez un grand Pankapu, le royaume des rêves. Oui, je crois que c'est comme ça en français, le royaume des rêves. D'ailleurs, c'est une boîte française qui a. Une boîte française qui a. Comment? Développé ce jeu. Donc, je ne comprends pas déjà pourquoi le jeu est en anglais. mais bon, ce n'est pas grave. On va faire avec. Alors, on va commencer le jeu. Déjà pour vous prévenir, pour vous dire, je suis en qualité maximum et rien que le menu déjà, je trouve beau. Rien que ce menu, c'est juste une image fixe, hein, mais c'est trop beau. Voilà, c'est moi, c'est tout moi, c'est comme ça. Bref, on va démarrer. Oula. Ok, il y a eu un petit bug, j'ai pas compris. T'es beau, toi. Jaha, well, you're right. Bon, bref, je ne parle pas anglais. Je suis nul en anglais, bref. Déjà, remarquez une chose. On est en cinématique, c'est juste trop beau. Je trouve ça... Ce jeu est joli. Il est tellement beau. Au niveau des dessins, des détails, trucs comme ça. Je trouve ça juste trop beau. C'est... Franchement, ce jeu graphiquement, c'est une réussite déjà pour moi. Et on est qu'en alpha, dites-vous ça déjà. C'est coloré au niveau des dessins, j'adore. Mais il y a des ténèbres. On dirait un légume, la maison là-bas. Bonjour, je suis un dieu. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau, j'adore. Alors, il y a quatre éléments de magie, si je me souviens bien par rapport à l'histoire. Il y a le feu, le vent et l'eau. Un truc comme ça. His name was Pankapu. J'adore la musique. Je vous laisse un petit peu l'écouter parce que. Bon bah le jeu a décidé que non, mais la musique est juste trop bien. Chapter 1, Pepper. Donc le jeu est en anglais, vous avez bien vu. Alors, tu es bien beau toi. Bonjour, je suis un dieu. Enfin, je suppose que c'est un dieu, moi c'est pour moi c'est un dieu. Bref, on se retrouve. Oula. Ok. Ça ramait pas tout à l'heure, on se brave. Oui, parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo pour une raison simple, c'est que pendant la vidéo, Action a planté. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Bref, donc on est ce personnage, Pankapu, qui dans l'histoire, bah, dans ce qu'on a raconté globalement, le royaume des rêves est menacé par des cauchemars et nous, on doit tout simplement battre ces cauchemars parce qu'on est gentil, voilà, et que nous on veut rendre les rêves aux enfants. Bon, bref, je dis n'importe quoi, c'est épique. Alors, remarquez comme le jeu est juste sublime. Ce jeu est sublime, il est beau, il est réussi. Déjà, c'est une alpha et pour moi, ce jeu est déjà une réussite au complet. Les détails du héros, enfin, du personnage sont juste impeccables. Pour moi, je trouve le personnage juste beau. Juste trop beau. Donc, pour l'instant, on peut attaquer et parer et sauter, et bien évidemment. Mais on a des pouvoirs magiques, sauf que bah, malheureusement, de ce que je vois pour l'instant, on peut pas utiliser de magie.
Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On a une barre de santé, une barre de magie. Et des trucs à collectionner. Je ne sais pas ce que c'est. On n'avait pas eu ça. Oui, parce qu'il faut que je vous raconte une anecdote. On va y aboutir, on va le faire en marchant. Tout en regardant à quel point le jeu est juste beau. Comment ? On avait testé ce jeu. C'était juste un petit niveau hein, par rapport à cet alpha. On l'avait testé à la Japan Expo avec Cuba et justement notre ami, le nom de Spirit. Sinon, je vais dire une amie à chaque fois, ça va être pas terrible pour vous. Alors, ah oui, voilà, on a des cauchemars. On doit affronter ces cauchemars, voilà. On avait testé avec Cuba et Spirit ce jeu à la Japan Expo. Un niveau. Oula, ils font mal. Comment déjà par rapport au petit niveau qu'on avait testé à la Japan Expo, je remarque plusieurs choses. Bon, déjà on n'a pas le pouvoir magique, mais on aura peut-être plus tard dans l'alpha. La partie scénarisée n'y était pas. C'est déjà un bon point, sauf que moi je ne parle pas un point d'anglais. Ou je fais de mon mieux pour apprendre l'anglais le mieux possible. Et le jeu, enfin ça c'est moi, hein, après je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je trouve le jeu plus fluide, je le trouve extrêmement fluide par rapport à ce qu'on avait, à ce qu'on vous avait proposé à la Japan Expo. Bon, à la Japan Expo vous me direz, c'était juste une pré-alpha, c'était un petit truc quoi seulement. Et donc là c'est une alpha. L'alpha on l'a attendu, on nous disait, on nous avait dit qu'on l'aurait, il me semble, à Noël. Mais bon, pour être franc, je préfère avoir un jeu qui... ou une alpha qui arrive en retard qu'une chose en avance et qui est mal fait, quoi. Alors, oui, j'ai oublié de parer aussi. Je peux parer hein, avec un bouclier cœur. Enfin, pour moi, ça ressemble à un cœur. Je sais pas ce que vous en pensez. Et aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, c'est beau. C'est beau, et je vais dire ça tout le long de la vidéo. Hein. Faudra vous y faire, hein. C'est beau, c'est juste trop beau. Et la musique accompagne super bien. J'adore la musique. Pour vous dire la vérité, entre les graphismes, le gameplay. Bon, pour l'instant, le gameplay est simple, mais en même temps, on n'a rien débloqué. On a juste notre personnage qui bouge et qui voit des coups d'épée qui peut parer. Bon, déjà, moi, ça, pour vous dire, ça me suffit. Hein. Là, je suis déjà content d'avoir ce que j'ai, hein, pour vous dire. Et donc, entre les graphismes, le gameplay et la musique, franchement, je peux pas vous dire ce que je préfère le plus. J'adore tout ce qui compose le jeu, pour l'instant, j'adore. Oh, bref. Oh là. Oh, un boss. Écoutez la musique. Aïe. Je vais mourir. Ah, non, je suis mort. J'adore comment il apparaît, tu sais. En portail tridimensionnel. Enfin, je vois ça comme ça, moi. Bref, j'adore la musique du boss. J'adore. Alors, faut savoir que je me suis arrêté ici. Hein. Action avait planté ici. Et j'avais pas vu le boss. Alors. Alors, je suppose qu'on va débloquer un pouvoir. Je suppose que pas pour rien qu'il y a ça. Ouh. Aïe. Hop, bim, hop, boum, boum. Et bim, on l'a battu. C'était un animal. C'était un insecte. Enfin, un insecte des rêves, je suppose. J'avais pas compris. Regardez les détails, quoi. Les détails des personnages comme ça. Ils sont pas réussis, sérieusement. Bon. Encore une fois, je ne parle pas du tout un mot d'anglais, hein. Alors, je sais pas ce que ça nous a... porter de le sauver. Ça a dû nous apporter quelque chose au niveau de l'histoire, mais... Alors, une pierre. Ça doit être une pierre des rêves, je pense. Oh, une goutte. Ah, d'accord, c'était pour récupérer de la vie. Je crois qu'il y avait quelque chose derrière. Alors... prochain tableau. Ça a l'air beaucoup plus long que ce qu'on avait à la Japan Expo. On me dirait c'est normal, mais... Alors là, on a la musique de tout à l'heure. Qui accompagne super bien, comme je le disais. Ouh, aïe, c'est des pics. Ça me plaît moins, ça. Ouh.
Je vais rebondir sur ces trucs tout le long, je vous le dis, moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, listen. Look who you found. Ah, c'est peut-être là. Non. Non, toujours pas de pouvoir. Toujours pas de pouvoir. Ok, bon bah... je sais pas, peut-être que je suis débile et que je ne sais absolument pas comment l'activer. Ah bon, on verra bien de toute façon. On avance tranquillement. On va récupérer de la vie, tiens. Oh, tu crois que je t'ai pas vu toi là-haut? Aïe 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 aïe. Aïe paré. Ah, oula, je me fais encercler là. Bim, bim, bim. Ah, oh, j'avais pas vu des fins de combo. J'ai pas vu ce fin de combo. Mais on l'avait pas tout à l'heure le fin de combo. Ou alors je l'ai peut-être pas fait assez aussi. Alors toi je t'ai vu là-haut. Alors on en a 10 sur 20. Oula. On va récupérer de la vie s'il vous plaît. Bim. Je me demande si j'ai pas appris juste un combo en plus avec le truc jaune là, la boule jaune qu'on avait vu juste avant. Hop. Hop là. Je regarde, en fait j'admire le jeu en même temps. Si je parle pas beaucoup, c'est parce que j'admire le jeu en même temps. La beauté du jeu me... ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je ne vois pas d'autres mots. Bon, là je fais n'importe quoi en même temps. On va éviter de traîner. Hein. Alors déjà il y a des ennemis. Je vais d'abord aller me soigner. Alors pour l'instant il y a deux types d'ennemis, mais bon on est en alpha, c'est pardonné, hein, voilà. Vous devinez. Alors oula. J'utilise les mauvais boutons aussi. En même temps comment je suis doué, moi j'utilise les mauvais boutons. Wow. Il y a des ennemis qui ont plus de vie que d'autres, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Non, et je suppose que c'est pas pour rien ça. Est-ce qu'on va pas utiliser ce truc plus tard? C'est quand même pas qu'un élément du décor. Peut-être, qui sait. Alors, Hous. Alors, il y a un truc là. Oula, bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Oula. Ah non, je suis mort. Ah, c'est un checkpoint. Mais c'est trop bien ce truc. Ah bah, je vais t'aimer, toi. Est-ce que je peux faire un selfie? Selfie! Voilà. On est normalement, après, dans les dossiers du jeu. Je vais voir si j'ai pris un screenshot. Si le screenshot a pris, je vous l'enverrai sur Twitter. Parce que je vais aimer ce checkpoint. Ce checkpoint va devenir mon meilleur ami. Oula, c'est des pics, ça. Oh, notre héros saute assez haut, dis donc. Alors... ouf, c'est parti. Ah non. Aïe 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 aïe. Alors... et déjà, vu ce qu'on nous propose dans une alpha, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Franchement... je trouve qu'on est pas mal gâté. Pour une alpha en tout cas. Je parle pour une alpha. Quand on aura la démo... vraiment la démo officielle, là... là, à mon avis, on sera encore plus gâté. Bref, on va falloir monter. Bim, bim, aïe, aïe, aïe. Il faut que j'utilise la parade. Voilà, comme ça. Parce que je pense pas à l'utiliser. Ok. Ou un checkpoint. Selfie checkpoint. Voilà. J'espère vraiment que ça me l'a pris, parce que j'aimerais vraiment vous montrer, quoi. Alors, hop. S'il y a ça, je suppose que c'est pas pour rien. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'en ai oublié un quelque part. Même si j'en ai 17 sur 20, quoi. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc de soin là-bas. On va aller le chercher. Oula. Et il y a le boss qu'on a affronté. Je suis pas d'accord. Aïe, 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 non.
Je suis mort. Mais j'avais oublié qu'il y avait le checkpoint. Checkpoint, mon meilleur ami. Parade. Bim. Haha, tu fais moins le malin maintenant. Allez. Oula, il y a des pics, ça me plaît moins. Mais je suppose que c'est pas pour rien qu'il y ait ça. Et surtout ça. Alors. Alors là. Oh 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 oh. Est-ce que j'ai assez d'élan? Aïe 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 aïe. Bon, toi tu meurs. Parce que t'es un cauchemar. Que nous on n'aime pas les cauchemars. Bon. De la vie. Allez, mourir. N'empêche aussi, je l'ai pas précisé, mais les ennemis, c'est simple. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux? Ils sont beaux! Mon dieu, qu'ils sont beaux! N'empêche, l'ombre. Enfin. Le sort de mini-boss qu'on a affronté avant et qu'on a vu tout de suite, on aurait dit une sorte de cyborg. Alors. Là, on dirait des gluants dans Dragon Quest. Allez, on saute. Wow, oh, oh. Ah, il était là le dernier. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avant? Et voilà, regardez, on dirait un cyborg. Et le détail de cette main mécanique, je suis fasciné. Je suis fasciné, moi je vous le dis. Viens là, toi, j'en ai pas fini avec toi. Merci. Alors, on va récupérer ce dernier. On dirait des petits êtres en fait. J'ai l'impression qu'on sauve des petits êtres. Ou ça se trouve, c'est une simple monnaie, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est des êtres à sauver. Et voilà, j'ai récupéré. À mon avis, on s'approche de la fin de l'alpha. Et bah écoutez, le checkpoint nous le dit. Hein. Voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cet alpha. Thank you for playing. This alpha is just preview. Nanana, in order to have a little machine. In the final version of the game. Bon, ce qui nous attend pour la version finale, 8 chapitres. 8 chapitres, vous vous rendez compte quand même? Et encore, on n'a pas fini le chapitre. Hein. Je suppose qu'on n'a pas fini le chapitre. Donc, à mon avis, on risque d'avoir un jeu quand même assez long. Et ça va être génial. Des ennemis unfair, but... à mon avis, ça va être un tas d'ennemis et des boss variés. C'est cool. Bon, pour l'instant, on a vu que deux types d'ennemis. Mais bon, comme je vous le dis, c'est une alpha. C'est pas non plus comme si on s'attendait à quelque chose de vraiment grandiose, quoi. Donc au final, on est plutôt content. Moi, je suis plutôt content. 3 NG to master. Alors, à mon avis, on aura plusieurs pankapu. 3 petits êtres de magie selon chaque monde. Il y aura un pankapu, celui qu'on a testé. Celui du feu ou de combat. C'était plutôt un de combat, j'avais l'impression. Un du vent et un de l'eau. Weapon new skill. À mon avis, ça va être plusieurs habits, plusieurs équipements et tout ça. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul équipement qui, franchement, je trouve, je sais pas vous, mais moi, classe. Je trouve vachement classe. Et à mon avis, on aura. Et donc, de ce que je vois, on aura plusieurs équipements. Jarreal Memories to Restore. Et à mon avis, une histoire juste sublime. There's skill who's reach your goal. You want to help us? Just click the link. Oui, en gros, si vous voulez soutenir, le projet Pankapu, faut aller sur leur site. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site, aller sur leur Twitter et leur page Facebook aussi. Je crois qu'ils en ont une. Bref, bon, qu'est-ce que je retiens de cet alpha? Globalement, c'est beau. Pour moi, je crois que c'est ce que je retiens le plus dans ce jeu. C'est beau, c'est juste sublime, magnifique. Avec des couleurs et tout comme ça, c'est trop beau. Je trouve ça beau. Un gameplay simple. Mais bon, c'est une alpha, donc on pardonne.
des ennemis qui sont pas mal, qui font mal, n'empêche qu'ils font mal, c'est quand même, faut même le souligner. À mon avis, la difficulté, ça va quand même être assez grand, hein. On va avoir une bonne difficulté. Comme vous pouvez l'entendre en ce moment même, la musique qui est juste sublime aussi, qui accompagne exactement, enfin, qui accompagne juste magnifiquement bien le jeu et l'événement en question. Je cherchais à dire quelque chose. Bon, déjà, le jeu plus fluide, comme je le disais, et ça, c'est agréable. L'histoire qui est introduite, sauf que bah, moi, parlant anglais, niveau 6ème, 3ème, non, 6ème, 4ème au minimum, je suis très nul. Mais j'y travaille. J'y travaille. Et bah, je crois que j'ai tout dit. Et donc, bah, franchement, moi, je vous dis, ce jeu, pour moi, il est en alpha, et cet alpha, pour moi, c'est un coup de cœur. Je vous le dis franchement, d'emblée, cet alpha, m'en met plein la vue, et j'attends juste la version finale. Enfin, peut-être pas la version finale maintenant, parce que je vais peut-être pas aller trop loin non plus, mais j'attends une version bêta, et une démo. J'attends juste une version alpha, une version bêta et démo. Je surveille ma boîte mail pour avoir une bêta. De toute façon, à la Japan Expo, à mon avis, ça va être... D'ailleurs, je me gourre, c'était pas la Japan Expo, c'était à la Paris Games Week qu'on avait testé ce jeu. Et j'espère franchement à la Japan Expo le voir. Pour franchement aller donner mon avis, aller dire aux développeurs à quel point cet alpha est réussi. Cet alpha est réussi. Ce jeu, pour moi, je le sens comme une réussite. Moi, je vous le dis, hein, je vous le dis d'emblée, j'attends ce jeu avec impatience. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai de 2015, cet alpha. Bref, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à aller sur les réseaux sociaux pour soutenir ce projet Pankapu. Franchement, soutenez un maximum, parce que ce jeu, il a un avenir, il a vraiment un grand avenir devant lui. Et j'espère le revoir en tout cas très bientôt sur mon ordi, en version bêta, en version démo. J'attendrai le temps qu'il faudra. Mais franchement, quand il sortira, je peux vous garantir que je rusherai le jeu, je surveille le jeu. En attendant, oui, comme je le disais, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre nos aventures, à aller voir notre Twitter, où à mon avis, je posterai pas mal d'infos, enfin, je surveillerai les infos de Pankapu en postant de temps à autre quelques screenshots. Parce que je vais pas la laisser comme ça, cette alpha, hein. Je vais m'amuser à faire quelques trucs dessus. Déjà, rien que le checkpoint, hein, vous l'aurez dès ce soir, ce checkpoint. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Cuba aussi. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens. Et que la puissance de vos rêves soit avec vous. Ou justement, que vos rêves, que la puissance accompagne vos rêves. Voilà, j'ai cherché ma phrase. Allez, ciao et à la prochaine.